Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais revenir encore sur comment il est possible de créer un dessin animé avec son téléphone. C'est vraiment facile de nos jours de créer un dessin animé avec son téléphone. Tu n'as vraiment pas besoin de tout connaître, ton montage et tout. Il suffit tout simplement d'avoir l'application. Donc, dans cette vidéo, nous verrons ensemble de A à Z. Je dis de A à Z parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu fais par exemple une vidéo, ils ne prennent pas la peine de regarder en fait la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, lorsque tu dis il faut ça, ils essaient de faire et quand ils n'arrivent pas, ils viennent écrire en bas, ça ne marche pas, je n'arrive pas. Voilà, si on prend le temps de faire une vidéo de A à Z, c'est pour vraiment montrer. Voilà, à tout le monde, même aux profanes, même de pouvoir réaliser cette astuce-là. Voilà. Donc, vraiment, je vais mieux expliquer. Et là, comme ça, de votre côté, vous aussi, vous pourrez réaliser un dessin animé avec votre téléphone super rapidement. Voilà. Donc, déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Comme je le disais tantôt, nous verrons comment il est possible de créer un dessin animé avec une application. C'est vraiment tout simple. Vous aurez besoin déjà de l'application qui se nomme Protagon. Voilà, Protagon, je vais vous montrer comment vous pouvez l'avoir. Mais déjà, nous verrons comment l'application Protagon se passe. Voilà, déjà quand vous allez rentrer, il va avoir un chargement, donc vous allez patienter un peu avant que le chargement finisse. Ce que vous devez savoir, c'est que avec Protagon, il y a des scènes qui sont déjà prédéfinies. À vous, voilà, à vous maintenant d'adapter ces scènes-là en fonction de ce que vous voulez. Et c'est vraiment génial aussi parce que vous avez cette possibilité-là de mettre des voix off en fait. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez créer un dessin animé avec vous-même vos propres voix. Et si vous le voulez aussi, vous avez cette possibilité aussi d'écrire en fait votre speech et tout. Donc déjà lorsque vous allez venir, vous voyez ici vous avez les vidéos que j'ai déjà eu à réaliser. Voilà, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre des noms, voilà, de faire des scènes et tout. Vous voyez, je vais commencer au début. Vous allez voir comment ça se passe. Les aventures de Prunelle le Rose. Et c'est vraiment un dessin animé. Hein. C'est vraiment un dessin animé complet. Vous pouvez même ajouter. Vous voyez, vous pouvez même mettre des voix, ajouter votre voix et tout. Voilà. Donc vous allez pouvoir réaliser plusieurs. Voilà, vous allez pouvoir regarder plusieurs dessins animés. Vous voyez, en fonction de vous. Et il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a vraiment pas de limite de temps. Vous pouvez réaliser un dessin animé de 30 minutes, d'une heure. Ça dépend de vous en fait. Voilà. Et il y a plusieurs scènes. Vous pouvez ajouter plusieurs scènes dans un même dessin animé. C'est-à-dire, s'il y a par exemple cette scène qui est là, qui est Bedroom 9, vous pouvez ajouter une autre scène en appuyant ici. Scène. Vous avez cette possibilité-là d'ajouter plusieurs autres scènes. Voilà. Il y a le Air Club Corridor, il y a le Airplane Control Trover. Voilà, le backstage, vous pouvez absolument ajouter plusieurs scènes dans un même dessin animé. Par exemple, même le backstage, par exemple, vous voyez que ça fait une autre scène encore dans le dessin animé. C'est-à-dire, arriver ici, lorsque j'appuie, le dessin animé va continuer et il va avoir plusieurs scènes. Voilà, plusieurs scènes. Vous pouvez créer même des personnages, même en fonction de vos goûts, en fait. Lorsque vous allez revenir en arrière, par exemple, je vais revenir en arrière, vous allez voir. Voilà, vous avez la possibilité de créer des personnages, la possibilité de créer des coiffures, des yeux, absolument tout. Même les vêtements, vous pouvez même choisir même les vêtements même pour réaliser un dessin animé vraiment de rêve avec simplement une application. Donc, je vais vous montrer un peu comment vous allez pouvoir créer des personnages et tout. Et comment aussi il est possible de mieux personnaliser le personnage hein, afin de mieux l'adapter à votre rôle. Donc ici, nous allons rentrer dans l'application. On va venir donc créer une vidéo. Une fois que vous venez donc créer une vidéo, vous venez où c'est marqué sans acteur. Vous voyez que c'est allumé, ça clignote en rouge sans acteur parce qu'il n'y a pas encore d'acteur. Quand on appuie ici, on vient de créer caractère. Vous appuyez sur créer caractère et vous voyez, ça dépend de vous. Si vous voyez un homme, vous voulez un homme ou une femme. Voilà, ça dépend un peu de vous. Quand vous venez ici, vous avez cette possibilité-là de créer le visage. Vous voyez, hein? Créer le visage et tout. Voilà.
créer le visage. Vous pouvez même changer même la couleur même du visage. Même ça dépend un peu de vous. Là, vous pouvez même changer la couleur et tout. Et il y a des cheveux qui sont là. Vous pouvez mettre les cheveux que vous voulez, la couleur des cheveux et tout. Vous voyez, c'est vraiment super génial. La couleur des cheveux, il y a plusieurs modèles de cheveux. Si vous voulez ajouter des barbes, il y a de la barbe et tout. Les yeux, bon là, je vais changer un peu ça, on ne voit pas ses yeux. Je vais prendre par exemple cette coiffure-là. Voilà, les yeux, vous pouvez changer la couleur des yeux. Vert, bleu, rouge, ça dépend un peu de vous. Les sourcils, vous pouvez ajouter des sourcils et tout. Voilà. Et même des rouges à lèvres, vous pouvez ajouter même des rouges à lèvres aussi. Voilà. Et concernant les instruments, vous pouvez ajouter des lunettes, un casque. Vous pouvez vraiment tout faire. Un bonnet, un képi, des lunettes. Voilà. Il y a vraiment plusieurs trucs que vous pouvez ajouter. Ça, ce sont des bouts d'oreilles. Comme elle a des cheveux un peu longs, on ne voit pas. Il y a même des bouts d'oreilles et tout. Voilà. Donc ici, on va choisir. Il y a même le truc de reine et tout. Voilà. Ici, c'est au niveau des t-shirts. Vous pouvez choisir une tenue. Voilà, vous pouvez choisir une tenue, vous voyez, pour rendre un peu plus joli. Il y a la couleur de la tenue ici. Vous voyez, c'est vraiment un truc vraiment complet. Le pantalon, vous pouvez changer le pantalon pour mettre un pantalon qui va se marier un peu avec la tenue que vous avez eu à mettre plus haut. Vous voyez, hein. Il y a plusieurs tenues. À vous de pouvoir adapter la tenue, voilà, comme vous le voulez. On va mettre un peu de rouge dedans, comme il y a le rouge en haut. Vous voyez, il y a même un niveau, même chaussures et tout. Quand on vient ici, vous avez cette possibilité-là d'ajouter une chaussure. Voilà, d'ajouter une chaussure à votre personnage. Vous voyez, une chaussure à votre personnage, un peu, qui va faire un peu un look d'enfer. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez donner un nom à votre personnage. Vous voyez, ici, je peux mettre par exemple info. Info et astuces, et j'appuie sur fait. Vous voyez, voilà mon personnage qui a été ajouté. C'est quand j'appuie, mon personnage vient directement sur la scène. Je peux dire que mon personnage est assis. Je peux dire, j'appuie ici, j'appuie sur par exemple bas. Elle sera au bas, ça dépend où je veux. Elle sera au bas. Vous voyez, au fur et à mesure que je choisis, elle change de direction. Bien vers bas, elle est dans le bas, au fond là-bas. Voilà. Middle, voilà. Vous pouvez donner des ordres. Genre, elle est à côté de la table. Voilà, elle est assise devant la table. Voilà. Et vous devez ajouter un second acteur. Vous voyez que ça clignote toujours rouge parce qu'il faut deux acteurs. Vous ne pouvez pas mettre trois acteurs. Vous ne pouvez pas mettre quatre acteurs. Mais vous pouvez ajouter plusieurs acteurs en combinant les scènes. Je ne sais pas, vous me comprenez. Vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Par exemple, ici, par exemple, si j'ajoute un autre acteur, par exemple, et je peux mettre par exemple que l'acteur là est assis devant elle sur la table, voilà, comme si elles sont en train de manger et tout. Et quand vous voulez ajouter une conversation entre eux, vous allez venir appuyer. Vous pouvez même ajouter une action qui se passe entre eux ici avec la petite flèche qui est là. Vous pouvez faire une action comme si, quand j'appuie dessus, par exemple, comme s'il y a une action, par exemple, il y a Info et Astuces d'Abidjan qui fait par exemple un bisou à Sally, par exemple. Je vais choisir un bisou à Sally. Vous voyez comment ça se passe? Bon, j'ai pris deux femmes bizarrement. Moi, je sais pas pourquoi j'ai choisi deux femmes. Bon, je vais changer. Je vais changer femme. Je vais prendre par exemple un homme. Voilà. Je vais prendre par exemple un homme, Damien, par exemple. Voilà, comme si Info et Astuces d'Abidjan faisait un bisou à Damien. Voilà. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Hein. Vous voyez le dessin animé. Vous voyez comment c'est super. Et vous pouvez même ajouter qu'ils sont en train de parler. Pour la voix off, vous allez choisir le personnage. Je prends par exemple Damien. Et pour ajouter la voix off, vous allez appuyer tout simplement sur le petit micro qui est là. Et vous allez enregistrer votre voix off. Voilà, vous allez enregistrer votre voix off. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez mettre. Mais vu que c'est l'application, c'est une application anglaise, donc vous allez voir que le ton sera en anglais. Le ton sera en anglais. Donc, je vous conseille plus de faire une voix off. Toutes les séquences qu'il y a eu à faire, c'était plus en voix off. Mais j'ajoutais mes voix et puis je changeais. Donc, vous voyez. Hein. Et là, vous pouvez faire maintenant une conversation. Ici, c'est Damien. Quand vous appuyez sur le logo encore de conversation ici, vous allez choisir.
Attends, je vais vous montrer. Voilà, le logo de conversation ici. Vous allez choisir l'autre personnage, info, genre comme si Info et Assis d'Abidjan en train de parler maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter plusieurs scènes. Ici, ils sont dans un restaurant. Vous pouvez ajouter une autre scène encore où ils sont dans une voiture. Voilà, où ils sont dans une voiture. Voilà, vous allez venir choisir les acteurs. C'était Info et Assis d'Abidjan et Damien. Damien, voilà. Vous voyez comme s'ils sont dans une voiture maintenant, ils ont fini de manger, ils sont dans une voiture. Donc vous pouvez ajouter plusieurs scènes. Vous allez voir un peu comment ça va se passer. Ils sont là, ils sont en train de parler. Voilà, ils sont en train de parler. Et juste après avoir fini de parler, ils vont venir maintenant dans la voiture en fait. Voilà, ils vont venir dans la voiture comme s'ils sont en train de rouler une voiture. Vous voyez comme s'ils sont en train de rouler une voiture. Vous pouvez mettre qu'ils sont en train de parler. Pendant qu'ils roulent, ils sont en train de parler et tout. Voilà, ils sont en train de parler. Il faut assis à Abidjan. Voilà, vous pouvez ajouter une autre scène encore. En gens, ils sont arrivés maintenant à la maison. Il y a plusieurs scènes. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des scènes. Voilà, ce sont des scènes. TV Sofa, ils sont en train de manger maintenant. Il faut assis à Abidjan. Voilà, ils sont à la maison, ils sont en train de manger maintenant. Donc, vous pouvez créer ces scènes-là et faire des interactions avec eux. Je prends ici, j'appuie ici. Voilà, comme si. Damien, Steve, voilà, ça c'est des actions que vous pouvez faire, voilà, des actions que vous pouvez faire et tout. Donc il y a plusieurs séquences, voilà, il y a plusieurs séquences. Vous pouvez ajouter de la musique, il suffit tout simplement d'appuyer sur le logo ici pour ajouter de la musique. Si c'est un truc dramatique, vous pouvez ajouter de la musique dramatique et tout. Donc c'est vraiment un truc complet. Voilà, une fois que vous avez fini de faire votre dessin animé, vous allez pouvoir appuyer sur la flèche qui est en haut ici pour pouvoir sauvegarder. Quand vous appuyez ici, vous allez appuyer sur rendu de la vidéo et ça va pouvoir télécharger la vidéo. Voilà, ça va pouvoir télécharger votre vidéo super facilement. Voilà, super facilement. Moi, c'est avec cette application que je réalise mes dessins animés. Vous voyez, j'ai eu à faire plusieurs dessins animés. Vous pouvez voir, ça, c'est un deuxième dessin animé que j'ai eu à monter. Voilà. Si vous partez sur la page Facebook, la maison de la dépanosito, vous allez voir les différents dessins animés que j'ai déjà eu à monter avec cette application-là. Donc, des gens même peuvent vous contacter même pour dire même que ils veulent faire un petit montage de leurs entreprises. Vous pouvez faire comme si deux personnes sont en train de présenter leurs entreprises et tout. Vous voyez, ça, c'est pour quelqu'un que j'ai eu à faire. Voilà, pour quelqu'un que j'ai eu à faire. Et c'est super génial. C'est vraiment un dialogue. Voilà. Un dialogue qui se passe entre deux personnes. Un dialogue qui se passe entre deux personnes où vous pouvez ajouter plusieurs scènes. Comme si c'est vraiment un dessin animé que vous êtes en train de faire. Voilà. Comme si c'est vraiment un dessin animé que vous êtes en train de faire. Et c'est super facile à faire. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous connaître en montage et tout. C'est super pratique. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs scènes. À vous de pouvoir adapter la scène qui vous sied. Ça, c'est comme s'ils sont en train de regarder une pièce de théâtre. Il y a comme si vous êtes, par exemple, dans un truc airplane. Voilà, comme si vous êtes dans un avion. Voilà, il y a plusieurs scènes. À vous de pouvoir adapter ces scènes-là avec le dessin animé que vous voulez réaliser. Voilà, backstage, il y en a plusieurs, plusieurs. Voilà, bathroom, battlefield, comme s'il y a une guerre quelque part, vous pouvez ajouter des personnages et tout. Voilà, donc c'est vraiment l'application qu'il vous faut pour réaliser vraiment un dessin animé. Voilà, il y a bus stop, comme si vous êtes à l'arrêt de bus et vous allez pouvoir ajouter des personnages super, voilà, super facilement. Voilà, ça c'est comme si vous êtes par exemple dans un café et tout. Voilà. Donc, c'est vraiment une application super géniale que vous devez découvrir. Comme je l'ai dit, l'application se nomme Plotagon. Voilà, Plotagon, Plotagon Story. Vous allez pouvoir trouver ça sur Play Store. Voilà, vous allez pouvoir trouver ça sur Play Store super facilement. Il suffit tout simplement de venir sur Play Store. Voilà, j'active ma connexion. Vous allez venir tout simplement sur Play Store. Voilà, Play Store. Et vous allez écrire Plotagon Story. Protagon Story. Voilà, Protagon Story. Vous allez pouvoir écrire ça et vous allez tomber directement sur l'application. Voilà, vous voyez hein, comment vous pouvez réaliser. On va voir une petite vidéo même. Voilà. Vous pouvez ajouter des scènes, créer des personnages, comme j'ai eu à vous dire. C'est super pratique.
Et c'est, vous voyez la petite vidéo qui est là, vous pouvez faire des effets et tout directement. Voilà, directement. Et c'est super facile. Voilà, c'est super facile. Vous voyez un peu les différentes réalisations qu'ils ont eu à faire avec cette application-là. Voilà, vous voyez. Voilà, des gens sont en train de danser, ils sont dans un village, voilà, c'est super facile, voilà. Il y a une version pour ordinateur aussi, pour ceux qui veulent créer ça sur un ordinateur. Il suffit tout simplement d'écrire Plutagon Story sur l'ordinateur et vous allez pouvoir télécharger la version de l'ordinateur. Voilà, super pratique. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter en message privé via la communauté. Voilà, via la communauté. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos préoccupations super rapidement. Portez-vous bien et on reste branché toujours sur la chaîne Info à Abidjan pour encore plus de contenu. Ciao, ciao.